Bon, vous avez vu quelques photos de mon vlog en photo, mais finalement j'ai un peu de temps. Là, je suis dans la chambre, en peignoir, tranquille. Mon chéri, il est toujours au niveau des bains, donc voilà. Et moi, j'ai décidé de rentrer parce que j'en avais marre un peu de l'eau. Il est censé avoir un concert. Il devait commencer à 18h. Il est 18h47. Il a commencé il y a 2-3 minutes environ. Voilà. Super. Quoi dire? C'est super. On attendait ce week-end avec impatience. Laver les bains, on y va souvent. Enfin, on est déjà y allé au moins 2 fois. Donc c'est top. À chaque fois, on a une chambre différente. Là, vous aurez vu des photos. En fait, on a pris ce qu'il y avait. Parce qu'apparemment, tous les week-ends, là, pour tout cet été, ils sont bouclés. Je ne sais pas si le cadrage, il est bien ou pas. On va certainement se préparer ensemble. Pourquoi pas? On a rendez-vous pour manger à 21h à la table de laver. C'est le restaurant qui est à l'hôtel. C'est pour vous expliquer un peu avant. C'est genre, comment vous expliquez ça? Dîner à volonté. C'est un repas à volonté, genre il y a entrée, plat, avec de la viande et tout, les desserts, les fromages. Et en fait, on peut choisir ce qu'il veut qu'on soit à volonté. Moi, généralement, je prends les entrées et à voir ce qu'il y a au niveau des desserts. Voilà. Donc, je vais vous tourner la caméra après et je vais vous faire écouter un petit peu. Alors, par contre, la vue qu'on a cette fois-ci, elle est beau. J'aime bien la vue sur le parc ou sur. Un peu plus sur les piscines, mais bon, c'est pas le cas. Allez. Voilà le genre de musique que c'est. Super. Moi, je suis très enchantée. Vous pouvez l'entendre à ma voix. Donc, voici ma tenue. C'est une robe qui vient de chez Lidl, tout simplement. Elle est très bien. J'aime bien ce petit côté, mais on peut l'enlever. Et elle a un motif assez. Comment dire? Hawaïen, cocotier, tout ça quoi. Tropical. J'ai essayé de me sécher en partie les cheveux avec le séchoir. Je déteste utiliser un séchoir, ça c'est. Voilà. Donc après, on va essayer de se préparer ensemble avec le peu de produits que j'ai pris. J'ai mis mon déo. On a pris ce parfum-là. Tout simple. De quoi se rémer le corps tranquille. Voilà. On se prépare un peu ensemble. Ça va être très soft, hein, à savoir, j'ai pas pris grand-chose pour une fois. La lumière. Désolée, hein, mais je peux pas non plus faire autrement. Je prends ma trousse, enfin, notre trousse. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas pris grand chose. Mais genre, c'est vraiment soft. C'est assez rare que je prenne très peu de choses, mais bon. Alors, c'est pour me baigner, donc voilà. Bon, je vais déjà mettre mon mini gloss de chez Essence. On va déjà commencer par ça. Voilà. Ça c'est fait. La crème, j'ai pris la Fenty, c'est celle que j'utilise en ce moment. J'ai juste pris ça parce que ouais, j'ai pas trop envie de m'embêter. Puis on va dans l'eau quoi. Donc voilà, voilà. Tout simplement. On va quand même laisser attendre qu'elle pénètre parce que sinon c'est super. Pour les yeux. J'ai pris ceci qui est dans mon deck of panning avec deux pinceaux.
Stylet jaune. Donc, on va commencer d'abord par la couleur chair pour mettre de partout. On va essayer quand même de voir ce que je fais, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. J'essaye de vous montrer en même temps, mais c'est un peu compliqué. Je vais prendre la teinte Hotline, c'est celle-ci. Je vais la mettre au creux de paupière. Au moins pour intensifier le regard. Au moins ça. De base, je voulais faire juste un vlog en photo avec une voix off. Bon, il y aura beaucoup de ça, hein, à savoir. Pas très à l'aise à l'extérieur à filmer. Je sais pas si vous pouvez le comprendre, mais je trouve ça fabuleux les youtubeuses qui arrivent à faire ça, mais moi je peux pas. Puis j'aurais peur de gêner les gens, tout simplement. Et après je vais prendre la teinte Playful. C'est d'ailleurs celle que j'ai choisie pour mon projet Take Off Panning. J'avance, mais difficilement. Tout simplement. Et après, je vais prendre la teinte Smuggle, la plus foncée, avec le même pinceau, hein, on va pas s'embêter. Et je vais la mettre au niveau du coin externe. Voilà, quand c'est fait, je prends mon pinceau plat et je prends la teinte Passion. C'est l'une des teintes que je préfère dans cette palette. Mais il faut généralement les appliquer au doigt, mais pas en vie. Tout simplement, je pense. Après, ça fait juste un petit regard. C'est pas exceptionnel. Hein. J'ai même pas pris dans le sac. J'ai rien pris. Hein. J'ai juste pris de quoi faire les yeux. Un peu. Petite anecdote. Pour rentrer dans les bains, il faut avoir une carte. Et pour sortir aussi. J'ai mis ma carte pour sortir. Pour aller à la chambre. Mais je l'ai fait tomber. Je suis allée à la réception. Heureusement qu'il y avait un réceptionniste. Pour la carte. Et n'importe quoi, moi. J'ai même pas fait attention. Alors, j'utilise le mascara de chez Sephora. C'est le size up en format mini. Il est bien. Mais pour moi, il n'est pas waterproof. Enfin, je trouve, hein, parce que je suis baignée toute la journée. Il n'a pas bien supporté. D'ailleurs, là, je viens de faire un paquet. Tant pis. Ça fera l'affaire. Pour les joues, je prends ça. Ouais, ça ira très bien. J'ai même pas pris de poudre. J'ai rien pris, hein, comme je vous dis. C'est le Harmony de chez Tarte. Et juste, je regarde le miroir là-haut, juste pour donner un peu de couleur à ce visage. Ouais, j'ai fait plein de sonnages. J'ai tous mes boutons qui ressortent. C'est la joie. Mais on a vu une cérémonie dans le sauna. Et franchement, c'était top. Ça dure 15 minutes. Bon, moi, j'ai pas
fait les 15 minutes parce que j'en pouvais plus en fait. Mon chéri, il a tenu, mais vraiment. En gros, c'est. Il met de la vapeur avec. Non, de l'eau avec des huiles essentielles et après il prend sa serviette et il fait des. On dirait du vent très chaud en fait. Et je l'ai toujours eu face à moi et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je commençais à avoir la tête qui tournait donc je suis partie. Mais sinon, c'était très bien. Le premier, c'était tonifiant. Non, le premier, c'était pour le détox tonifiant. Et le dernier, c'était genre pour reprendre bien. Comment on dit? Pour reprendre l'air. Je sais pas si ça peut se dire. Donc voilà. Tout simplement. Et du coup, j'ai pris. Si, si, c'est un numéro que j'avais préféré. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Il supporte très bien le masque. Et il fait très bien l'affaire. C'est un rouge à lèvres. Comme ça. Je sais même pas si vous verrez rien. En gros, c'est un rouge à lèvres pailleté, mais il s'adapte au pH de la peau. Et il est vraiment très bien. Voilà, ça c'est fait. J'ai rien pris d'autre. Hein. C'est vraiment le strict minimum. D'ailleurs, voilà ce que ça donne. Et vous voyez mes boutons. Là aussi, j'ai même pas, j'ai rien fait pour faire mes sourcils, j'ai flemme. Flemme de chez Flemme. Je prends par contre de la crème pour le corps en format mini, là. Ça, mon chéri, je me crème les mains parce que mes mains subissent avec l'eau tout le temps. Ça me fait des crevasses, mais énormes. Donc voilà, je suis prête. Alors, pour le restaurant, comment on va faire? Alors, je pense pas vous prendre des photos de chaque plat qu'on mange parce que ça peut être désagréable. Donc voilà. Mais je ferai des petites photos, tranquille. Et j'essaierai de vous faire des photos de comment sont les bains à peu près. Voilà. Sur ce, on se retrouve je sais pas quand. Je sais même pas si je vais clôturer cette vidéo à voix haute. Donc voilà. Et. Je vous souhaite un bon week-end. D'ailleurs, j'ai pas dit les dates, c'est le week-end du 3 juillet. Samedi 3 juillet, dimanche. Après, on repart. Tout simplement. Et moi, je vais me sécher bien les cheveux. Allez, ciao. Profitez bien de votre soirée.